La guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs. Le personnage est truculent et étonnant. Vous vous imaginez, c'est comme si des Français catholiques volaient du poisson pané en criant « Vierge Marie, Vierge Marie ». Ces propos sont extraits d'une vidéo de Bassem, de son vrai nom Bassem Braiki, blogueur et ancien rappeur franco-tunisien, il vit dans la métropole lyonnaise. Électron libre des réseaux sociaux, Bassem n'hésite pas de mener son combat réputé pour son franc-parler provocateur, il n'hésite pas à s'attaquer aux émeutiers issus de sa « communauté » musulmane. Ambassadeur de la religion musulmane autoproclamée, Bassem s'élève comme un régulateur des comportements inappropriés des musulmans. Récemment, il ordonnait à ses abonnés d'arracher le voile des femmes jugées « trop féminines » dans la rue. Des femmes qui, selon lui, seraient indignes de se couvrir les cheveux, car pas assez soumises aux règles islamiques. Il interdisait également à ses « frères et sœurs » de se marier avec des personnes noires, s'opposant clairement au métissage des Maghrébins. Bassem Braki s'embrouille dans les détails avec le YouTuber Best of TV des relations très intimes expliquées par le YouTuber, et Bassem Braki s'en moque et pour plus de détails on va écouter ses. Bon. Attends, je fouinais un... Alors... Ça me fout la mort. Je préparais un numéro, j'arrive pas à le retrouver. Allô, c'est Mako. Mako Salem. Frérot, je voulais te parler des belles-mères. Des quoi? Des belles-mères, si c'est possible. Bien sûr, alors tu peux baisser ton parleur, s'il te plaît, frérot. Je dis baisse ton parleur, il a coupé, lui. Putain, il est con. Quand on rentre dans le hammam, par exemple, on dit « Aoudou bilallahi minash shaitanir rajim », il faut être tranquille, tu vois. Ce qu'il dit le frère, hein, trêve de plaisanterie, c'est vrai, pour entrer aux toilettes, wallahi, je le fais. Même moi, je le fais. Je rentre, je le fais. Je sors, je le fais. Mais bon, frérot, là, je suis d'accord avec toi sur plein de trucs. Même quand je fais la douche, même quand je retire les habits, on sait jamais. Peut-être une genouna voilà. Qui est aveugle, elle me voit. Oh là là! Oh là 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 là! It's magic in et elle rentre en moi et traîne tout gilette. Na vodka, qu'est-ce que tu dis? Je recherche Mahlel dans Mexico. Putain, mon pote, autant chercher un Indien Kizouk, frère. En gros, mes parents, ils sont à charge des enfants de ma sœur, qui les a abandonnés, en fait. Ils ont maintenant 14 ans. Ils se sont occupés d'eux depuis qu'ils sont nourrissons. N'était pas approprié. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ma sœur a... Ta sœur quoi? C'est quoi ces bruits qu'on entend? On n'entend rien, excuse-moi. On n'entend rien. Elle continue à parler. Quelle hamara. Mais on n'entend rien. Comme dire les gars. À te tête, elle me sort. On n'entend rien, je lui dis à l'autre. T'es là. Non, là. Allô? Allô, c'est la bonne. On t'entendait plus, putain. Mets-toi dans un endroit. Parce que je parlais trop. Non, je t'entendais pas, je te jure, ouah, je t'entendais pas. Pas de problème, pas de problème. Il y a des femmes très bien, frérot, qui ont des applications, ils s'en servent bien. Il y en a, ils servent de snap, de trucs, ils se servent très bien. Mais quand t'as une Shaima Pattaya qui, à côté de Muslim Pro, il y a TikTok et il y a Mime, moi j'arrête, frérot. J'abandonne. La meuf, elle fait des bouchons cul de poule. Et elle se fait couper par les haines de Muslim Pro. Allez, moi dimanche, je vais à l'église. Moi, je vais à l'église dimanche. Hein. Tu penses que les femmes d'aujourd'hui, elles aiment les ragondins qui font des ballons, qui vont... Les plaques de la Pologne. Ah, si j'ai des ballons, j'ai rencard ce soir. Hein. J'achète des ballons, une bonbonne, je mets en story snap, Starfall, ça y est. La tête de ma mère, on m'a envoyé une vidéo où une meuf, elle propose de tirer des pipes pour avoir un peu de gaz. Elle tire des pipes pour du gaz. Moi, je l'ai vu dans Menace to Society. Quand il lui dit... Prends mon cheese. Ouais, quand il lui tire dessus. Tiens. Oh putain, là, pour du gaz. Pour du gaz, c'est la fin des temps. Là, c'est grave. Hein. C'est le début de la fin, les mecs. On est dans la merde. Le charisme, il a changé dans toutes ces années-là. Oui, depuis Scarface, oui. Avant, le charisme, c'était Albert Ingalls, la petite maison dans la prairie. C'est celui qui revenait avec une bête sur son épaule, avec un renard. Il la posait sur la table, comme dans Retour vers le futur. Agui, le souper, quand il pose une bête. Maintenant,
Tu sais, c'est la meme, c'est des go fast, c'est des tout, bon, hein. Pour que sa cargaison. C'est pas chose, hein, frérot. J'ai envie de manger ton crâne, mange mon zeb. Tiens, mon frérot, tiens. T'as raison, Bassem, nique sa mère l'image. Toi, t'aimerais bien voir ça. T'as raison, Bassem, nique sa mère. Vas-y, Bassem, clash. Vas-y, Bassem. Oh, Bassem, t'es plus comme avant. On te voit plus en garde à vue. Oh, Bassem, wallah, je te regarde depuis 5 ans, mais je souhaite que tu meurs. Oh, Bassem, wallah, parce que tous les jours, hein, tu dis des trucs. Quand je regarde ma famille, je les vois. Et puis, je suis obligé de te regarder et tout. Tu sais, je suis obligé. En tout cas, bonjour. Merci beaucoup, frère Riyad. Et je remercie, j'embrasse Hamza aussi. Big dédicace à toi, merci. Barakallahu fik, frère. Bisous, Bisous, non, Riyad. Riyad. Allô. De toute façon, l'expérience chez une femme, tu la vois à son coup de langue direct. Ouh là là. Si la meuf, elle arrive, elle te met la main derrière la gorge, là, ça veut dire qu'elle maîtrise. Attention, frère. Et elle commence à partir d'un côté, et si toi, tu pars de l'autre et elle te suit, c'est que tu lapines. Hein. Tu fais de la samba. Voilà. Ah oui. Pratique de notre niveau. Ils veulent pas nous laisser. Mais moi, ça m'arrange. Est-ce que Valeur Actuelle, ou tous ces gens qui regardent, les gens, ils regardent ce qu'ils veulent. Je respecte tous ceux qui regardent ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que ces gens-là nous empêchent de pratiquer le din? Sincèrement, je te parle. Hein. Je te parle pas du din We are the world, et ben N'Golo. Je te parle pas de ce din-là. Hein. Je te parle pas le din des maraudes, le din des lives. Je suis un imam, mais il y a ma femme qui est en live. Je te la montre, normal. Par contre, là, il y a un imam qui a pris des positions, mais ils sont où, tout cela? Putain, vous êtes où? Putain, il y a une hijabeuse qui fait du pole dance. Elle fait du striptease. Normal. Où ils sont tous ces gens-là? Non, ils sont pas là. Mais par contre, quand il faut faire des lives sur Bibi, là, il y a du monde. Hein. Oh, putain. Là, il y a du monde. Putain, moi, je kiffe. Je kiffe cette adversité. Pourquoi tu rigoles, m'a dit? Tu dis, ça fait des halal à la mosquée. Vous likez. Putain, là, cherche des froliques. Là, j'ai plus de froliques. Vous likez. Attends, c'est sur Inch'Allah. Non, mais attends, voilà. Voilà, les enfants des prouvettes, là. Vous likez quand une femme demande la main à un mec dans une chicha. Dans les groupes post-bat de mes couilles, vous êtes tous là avec des cœurs, machallah. Et pour une mosquée, vous rigolez? Vous êtes sérieux, là? Attends. Mais c'est vrai, ça, c'est un vrai sujet. Comment ça se fait qu'il y a autant de divorces et surtout... Pendant qu'il y a autant de divorces, il y a autant de sites 100% musulmans rencontrent. Wading! Wading! Allah Ijible que... Wading maintenant! Allez, c'est Wading, viens dans la forêt! Je pensais que c'était une légende, hein! Oh ma soeur, viens, je te hawk au fond de la forêt! Mais c'est pas une légende. J'ai mis une vidéo où il y avait un speed dating 100% musulman, ils étaient dans la forêt. Qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? Tidora, Diego, je comprends pas. On va... Deutschland, wallah, reparle-moi encore des sites de rencontres, je te bloque. Arrête de parler avec moi de ça, j'en ai rien à foutre. Est-ce que tu comprends, frérot? Si t'as faim, tu prends 30 euros et tu vas voir un trafic blanc avec une bougie. La putain de Taraz. Je suis parti à Islamabad. Islamabad où? Vers, je sais pas si tu vois, c'est pas très loin de... En fait, c'est une espèce de campagne, ça s'appelle Mena. Parle en pakistanais. De quoi? Parle en pakistanais. Dis, paiki, al, chal, toi-là. Je suis pas... Il prend pour un con. Oh, je t'ai pas demandé un chislan. Non, parce que quand on rentre au bled, on leur jette de la poudre aux yeux. Quand tu vois les bebeux, quand elles rentrent au bled, juste avant d'aller au bled, elles vont faire des UV chez Yves Rocher ou chez Coquelicot. Bande de putes. Alors c'est là où je rêverais de voir le scénario de Destination Finale 3, où quand elles dansent dans l'UV, elles sont grillées comme des... Moi, j'aimerais bien voir ça. Pour le peu que je connaissais d'elle quand elle voulait intervenir à la radio, je savais que c'était une meuf qui voulait se marier. Tu sais quoi? Mais je connaissais pas tous ses attraits là. Sa grande, son gros clap merde, son jeu. Non, je savais mais pas tout ça. Mais là... Rappelle-nous, rappelle-nous, Jade, d'où est-ce que tu viens géographiquement? Je viens de Marseille. Attends, traîne. Je suis d'où de Marseille?
Bah, je vais pas te dire, je vois ton genre. C'est tout, c'est Marc. Birkenstock, Grosse-Cuisse, décolleté, Hachma à la poste. Ah ben non, ah ben dis-moi à côté de quoi, tu sais. T'es pas obligé de dire ton quartier, on n'est pas tous des caves. Dis-moi, dans quel arrondissement tu es. Mais t'es un grand malade, tu crois que je vais donner mon adresse pour la prochaine. Moi je suis de Marseille, Quand il y en a, ils disent que, après c'est des sales gamins, qui disent que je suis anti-muslim. Wallah, je suis pas anti-muslim. Jamais de la vie, Yacine. Au contraire, j'ai pas envie que mes sœurs elles se fassent remarquer, j'ai pas envie qu'on les pointe du doigt, j'ai pas envie à cause de 2-3 petites crasseuses qui écartent les cuisses la veille et qui, à cause d'un phénomène de mode, elles viennent, elles nous parlent de Dean. Tu te rends compte, frérot? Ouais, des influenceuses au cul en plastique, elles donnent des cours pour laver les morts. Elles ont encore leurs ongles avec du sale et elles te donnent des cours pour laver les morts. Non, mais... enfin, et il y a des Erwan clés USB, machallah, inchallah. Vous les connaissez, cette bande là? Machallah, inchallah. Machallah, inchallah. Rajoutez, machallah, inchallah. Rajoutez. Non, mais tu vois ce que tu dis là? J'aimerais parler avec toi du manque de confiance en soi. Avec les filles, j'arrive pas à faire le premier pas. D'accord. J'ai pas le succès, tu vois. Quand je parle à une fille, tout ça, bah direct, je me fais recaler. Même avec la plus moche, elle me recale. Et wallah l'azim, c'est pas des conneries. Et tu viens de jurer là en plus là? Eh bah oui, je viens de jurer. Ahlef wallah. Wallah l'azim, Bassem. Ok, bon, je viens de jurer. Après, c'est entre toi et Allah. Déjà, on va commencer par le début. Est-ce que t'as une tête de pare-choc de 309? Peut-être. Déjà, faut commencer par ça. Non, wallah. Est-ce que t'es petit? Est-ce que tu ressembles à rien? Est-ce que t'as la tête d'une chaussette et Bartengo sale portée par un RI qui vient de faire un foot five? Non, je rigole. Non, frérot, non. Aujourd'hui, le problème, c'est que t'as aussi des trentenaires qui s'arrêtent et qui grattent des snaps. Qui grattent des snaps des quarantenaires, que quand ils voient ces petites riches baies, hein, on en a tout ça en quartier, un gros pervers. Il est là, il appelle la petite, il la regarde de haut en bas, Akhi Duhamel. Il la regarde de haut en bas et lui dit, tain, tu as grandi, toi, hein. Moi, je t'ai vu, tu étais petite, hein. Passe bien le bonjour à ta mère, hein. Il la regarde, il se mord ses lèvres, ce vieux pédophile. Ce vieux pointeur, là. Bien sûr qu'on les connaît. Dans les quartiers, on en a tous un. Bon, moi, je dirais pas le blaze. Allez, Léo Lagrange. Il s'appelle Moustaphe. Bon les amis, c'était ça les propos de Bassem Braki, connu pour ses coups de fouet sur Snapchat et YouTube. Il a eu une dispute avec les rappeurs, les blogueurs, les influenceurs depuis quelques jours, et pour rappel, Bassem Braki s'embrouille avec Sadek. Le rappeur avait l'intention de participer à un spectacle de présentation à Saint-Priest dans la métropole de Lyon. Le blogueur demande à ses partisans d'empêcher le concert. L'annulation est prise par le club en raison de la crainte des violences. Les réseaux sociaux sont remplis de conflits. Bassem Braki vivait à Vénissieux, où il travaille de nuit dans une entreprise. Vers 4h du matin, à la fin de son service, plusieurs hommes se sont rendus sur lui pour le tabasser, dépouiller sa sacoche et son téléphone. Il a été ensanglanté sur le trottoir. Depuis lors, le blogueur n'arrête pas de se défendre et de mener son combat et suivre sa logique, mais l'histoire avec le YouTuber Best of TV semble très louche, car il fait croire aux gens qu'il combattre les mâles et dénonce la manière dont les influenceurs arnaquent les internautes. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.